Comme Emmanuel Macron vient de se repositionner, il a le menton relevé, il a les yeux mi-clos, il envoie son scud et Hugo qui va juste avoir la crispation de mâchoire de Comme toujours, une mise en garde avant de commencer, si vous utilisez des passages de ma vidéo, vous êtes obligé de garder cette mise en garde, sinon vous me faites dire n'importe quoi. Maintenant, on va essayer d'analyser tout ça. On commence par la mise en scène ? On commence par la mise en scène. Emmanuel Macron a fait tomber la veste. Il n'y a pas de vraie table. C'est pas un bureau. On voit Emmanuel Macron comme ça derrière, contre Hugo, pour se faire un petit plan. Tout ça, évidemment, c'est tout à fait calculé. Il est bien foutu, quand même. On a le très classique mouvement corporel. Je me rapproche, je me baisse un peu vers toi. Je suis pas sûr que ce soit spontané. Même si quand on fait pause, on peut regarder quand même sur son visage qu'il y a un petit côté, voilà, je me mets à ta disposition et je vais t'exprimer. Il y a un petit peu de stress, on le ressent bien chez Hugo, parce que Hugo, il cherche sur le visage d'Emmanuel Macron la validation de ce qu'il est en train de faire. Emmanuel Macron lui donne qu'à ce moment-là. Si vous suivez les analyses que j'ai pu faire sur Emmanuel Macron, on récupère son grand classique, il en revient au doigt magique. Aux trois doigts. Je crois qu'on a une vraie expression, tout court, de surprise, limite de peur. Je vais juste la remettre. Quand Hugo commence à... Emmanuel Macron. Là, vous voyez la crispation de la mâchoire, les lèvres qui se resserrent avec un petit écarquillement des yeux. Ça, c'est pas de la peur, c'est pas de la surprise, c'est une forme de je viens de me faire c***er là. Je l'ai même pas eu passer celle-là. Et c'est là, vous avez vu, l'écarquillement a augmenté et au lieu de serrer les lèvres, maintenant il les desserre en les ouvrant un petit peu. T'as un petit mélange de peur et de surprise à ce moment-là. Et d'ailleurs, je vois un petit peu de satisfaction sur le visage d'Hugo que j'avais pas regardé. Et là, on est sur la fin d'étonnement avec le petit mouvement de tête d'Emmanuel Macron. Et après, il va se reprendre évidemment. Son corps dit oui, sa tête dit non. Et quand il sent que ça, c'est réglé, il récupère sa position de base qui est plus avachi dans le soulagement, on le voit sur le screen que je viens de faire là, sur le pause, plus que tout à l'heure où le menton est avancé. Et Hugo a perturbé Emmanuel Macron, petite médaille. Alors, un peu crispé, mais on a un vrai sourire d'Emmanuel Macron. Il y a de la crispation un peu carnassière en bas quand même. Il a le menton relevé, il a les yeux mi-clos, il envoie son scud, on le voit dans la pause que je viens de faire, il est attaquant, il est plutôt sûr de lui. Ok, là c'est un enjeu pour Emmanuel Macron, hein. Il a changé de position. Là, le fait qu'il se repositionne par rapport à Hugo montre qu'il essaie de convaincre Hugo, parce qu'il a vu qu'il l'avait perdu. Et vous avez vu, on l'a juste en amorce, comme Emmanuel Macron vient de se repositionner, et donc de prendre du lead, hein, parce qu'il prend de la présence et plus d'espace, Hugo s'est repositionné aussi. Ah ça c'est son joker Emmanuel Macron. Pour continuer de convaincre, il fait un ping-pong à gauche, à droite, en binaire. Hugo a essayé, donc en fait c'est pour ça qu'il avait ça depuis tout à l'heure, hein. C'était pour commencer à positionner sa main, il va essayer de le faire. Je remets juste avant parce qu'on voit Hugo faire sa tentative, Emmanuel Macron, on ne peut pas lui refuser de faire sa conclusion en entier, et Hugo qui va juste avoir, vous allez le voir parce qu'on ne voit que de côté, la crispation de mâchoire de Tentative, il approche de la lucarne, et juste là, hop là c'est bon. Et il a même, je ne l'avais même pas chopé, pose la main sur la jambe du coup pour contrôler sa main, je parle d'Hugo, et il a la jambe qui se met à boucher aussi. C'est que là, il est rempli de nerfs, quoi, pas d'agressivité, hein, mais il y a tout qui a envie de sortir. Qu'est-ce qu'il a pris confiance en lui, Hugo, là, on le voit hein, dans sa position. Il garde sa posture haute, hein, pas sa posture basse qu'il avait précédemment, pour retrouver de la longueur. Et c'est assez marrant de voir la stratégie d'Emmanuel Macron, la stratégie dite du confident. Il a jamais été aussi bas, il a baissé son rythme. Et la réponse quand même d'Emmanuel Macron, c'est « Eh, hein ? Allez, on va prendre la mienne. » Ah, il revient dessus. C'est incroyable. J'ai pas le visage de Macron, mais je pense vraiment qu'il est dégoûté parce que Hugo Décrypte n'a pas lâché le morceau. Et du coup, il s'est remis en position. Il a ralenti le rythme. Et ce bras-là, juste devant qui bouge, c'est pour tous les coups qui peuvent venir. Il essaye de reprendre le contrôle. Ça lui a un peu glissé des mains. Et là, il alterne vraiment ces choses-là. Après, on peut débattre de la méthodologie. Et encore une fois, on ne traite pas du fond, mais que de la forme. Et donc, il alterne ça avec la main aussi qui fait ça. Je te bloque si jamais tu veux... C'est littéralement ce geste-là. Très bizarre de lui faire un clin d'œil. Demi-conscient, attendez, faut que je le vois de plus près. C'était, je pense, une vraie satisfaction. Il n'y a pas trop de crispation en bas. C'est une vraie satisfaction de... On est d'accord sur le même sujet et t'as vu, on a fait ce qu'il faut, quoi. C'est assez joyeux, vous avez vu, et c'est assez rigolo parce qu'après ça se conclut, il reprend là exactement le screen où on est
d'Hugo Décrypte qui est encore souriant. Il y a un vrai jeu de non-dupe. Et Hugo qui continue de sourire parce qu'il assiste au fait qu'en vrai, il valide. Les deux sont OK sur le fait que qu'il ne va pas le verbaliser, il va reprendre la suite. C'est incroyable. 2 heures, c'est pas mal, hein. Et encore, ils sont deux. Je vais le remettre parce que c'était trop marrant. On a le changement de comportement qui est... Oh non. Non, non, là, c'est pas possible, en fait. Et donc, après, il se reprend un tout petit peu parce qu'il est moins sûr. Et en repartant de l'autre côté. Bon, on termine avec un Emmanuel Macron qui a repris sa position de départ, donc qui doit pas être insatisfait. Un Hugo qui a pris beaucoup de confiance avec le temps et qui est très satisfait aussi. Et puis, un Fabien qui est assez satisfait d'avoir fait l'analyse assez rapidement. Bref, exercice de style un peu divertissant. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. À très bientôt, ciao.